traverse la campagne à une allure d'enfer. Il fait fuir les vaches qui ne lui ont rien fait. Il pollue le bon air qu'on respire. Il effraie les oies domestiques. On l'appelle le café express de 6h12. Qui le fera dérailler un jour ? Déteste l'éclatante blancheur du blanc, surtout du plus blanc que blanc. Il salit tout sur son passage. Son bonheur, c'est la tâche, on l'appelle le pollueur fou. Qui l'arrêtera un jour ? Supporte pas la lumière. Elle déteste la clarté. Elle hait le jour. On l'appelle l'obscurité. Qui triomphera d'elle pour qu'on voit enfin clair ? Déteste la beauté, la fraîcheur et la jeunesse. On l'appelle la faucheuse. Elle balade partout sa sinistre silhouette et veut toujours avoir raison, surtout à la fin. Qui la fera descendre de son piédestal ? Toujours et partout des murs pour entraver notre liberté. Surtout ne pas s'énerver et attendre. T'es l'enfant de la terre, le soleil est ton père. Fais mordre la poussière à tous ceux qui veulent la guerre. Énorme et poilue, elle tisse son fil gluant pour immobiliser sa proie. Nounours sera-t-il la prochaine victime de la veuve noire ? Non ! Sillonne les rues à la recherche de fruits mûrs. Pour les manger ? Non, pour les noyaux. Toute surface vitrée l'énerve, le rend sauvage. Qui sauvera nos fenêtres et arrêtera enfin le cracheur de noyaux fous ?
La télé bête est devenue féroce et enragée. Qui réussira à la dompter pour en faire une télé belle, gentille et inoffensive? Subitement, la soupière s'est mise à cracher, à postillonner, à envoyer sa soupe dans tous les sens. Restera-t-il encore quelque chose à manger? Oui, car voilà.